70 Ortliebstrasse. Pardon? Il me faut le dossier du 70 Ortliebstrasse. J'ai rendez-vous avec mes clients et je l'ai oublié ici ce matin. On n'est pas censé rapporter les dossiers chez nous. Le chef va me faire la peau. Je vais t'aider. L'adresse est écrite sur le dossier? Oui, c'est une pochette bleue. D'accord. T'es sexy? Hein? Ah oui, je suis pas habillée. J'étais au lit. Je me sens pas très bien. Au lit, bien sûr. C'est là que j'ai remis le dossier. Je vais te chercher. Ça va, je peux le faire toute seule. C'est ça que vous cherchez? Tenez. Elle a mis ma robe de chambre. Vous avez bon goût. Je te présente Marion. Et vous êtes Hélène. Je viens d'entendre Ralph le dire. Apporte-lui un mouchoir. Hélène, ne vous mettez pas dans cet état. Je suis désolée, sincèrement. Je viens moi-même de comprendre. Ne vous en faites pas. On ne se reverra pas. Hélène. Ta sœur. T'excite pas, ça va. Je suis censée continuer à croire que tout appartient à ta sœur, ici? Tu peux croire ce que tu veux. Madame Coquiche, vous êtes encore allée faire un petit tour? Il fallait que je m'occupe de quelque chose. Rita, vous êtes en retard. Encore une panne? Voilà, c'est ça. C'est quoi cette fois? Les freins, l'échappement, la boîte de vitesse? La boîte de vitesse. Mais j'ai un rendez-vous, il est déjà presque 17h. Oui, vos clients m'attendent. Et que ce soit bien clair, nous ne pouvons plus rien faire pour le prix. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, vous n'allez pas faire de rendez-vous dans cet état. C'est grave, qu'est-ce qui vous arrive? Venez, racontez-moi. Racontez-moi tout. Reparti? Où ça? Reparti, c'est tout. Du coup, j'ai attendu que vous rentriez. Les chemises sont toutes repassées. Mais je ne savais pas si vous vouliez que je lave aussi les rideaux. Il va falloir bientôt le faire, de toute façon. Madame Lamson? Il fait froid ici. C'est l'été pourtant, Madame Lamson. Vous ne vous sentez pas bien? Vous êtes malade? Nous le sommes tous, non?
nouvelles règles de sécurité du service, ça ne te donne pas envie de pleurer? Si. Si, c'est sûr. Je crois que tu ne m'as pas écouté. Quoi? Tu as un rendez-vous galant? Je vais au spectacle ce soir. Je suis impatient d'y être. C'est ça. Ce soir, je vais au cirque. Ah, super. Et tu y vas en bonne compagnie? Tout seul? Qu'est-ce que tu crois? Depuis que je suis tout jeune, j'ai un petit faible pour les funambules et les trapézistes. Il faut les voir, elles sont si belles. Ah oui, alors bonne chance. Il est 19h30. Depuis quand êtes-vous assise là? J'en sais rien. Le rendez-vous s'est bien passé? En gros, ils savent pas s'ils ont les moyens. Vous leur avez bien mis la pression? Ils se laissent encore 48 heures de réflexion pour se décider. Et vous comptez les attendre ici sans bouger? Je peux plus rentrer chez moi, vous savez pourquoi. Écoutez, vous ne pouvez pas passer le reste de votre vie à éviter votre mari. Allez, venez. Je vous ramène chez vous. Non. Il faut que vous discutiez. Si je suis là, ça vous aidera peut-être. J'ai peur. Allez, venez. Ouais, la classe, la grande classe. Ça n'arrive pas souvent, ce genre de choses. C'est vrai? Et comment? Il est tombé d'un coup. J'avais encore jamais vu ça. Il était avec toi? Oui. Vas-y, dis-lui. Raconte-lui ton exploit, allez. J'ai abattu un chevreuil. Son tout premier. Qu'est-ce que je peux dire? Pile dans le mine. Vous êtes allé à la chasse? Ouais, deux bonnes heures à poireauter, mais on a été récompensés. Moi, je me suis fait un sang d'encre. Vous ne me dites plus rien. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. On va ressortir pour aller fêter ça. Tu viens avec nous? Non. Je ne me sens pas bien. Ben voyons. Viens. Ralph? Il est pas là. C'est encore mieux, vous pouvez le mettre à la porte. Il est déjà couché, peut-être. Allez voir. Monsieur Kopisch? Ralph? S'il dort, il a le sommeil bien lourd. Il n'est pas là. Ralph! 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 Non, attendez. Est-ce qu'il est mort? N'approchez pas. J'appelle la police. Laisse-moi deviner, ils avaient déjà déchiré ton billet? Oui. Alors, t'as vu une jolie trapéziste? Bien sûr, j'ai pas eu le temps de voir un seul numéro. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la victime est un homme, Ralph Kopisch. Son épouse l'a trouvé en rentrant du travail. Et qu'est-ce qu'on a déterminé? Il y a eu effraction, c'est un cambriolage? Non, pas d'entrée par effraction. Ce serait plutôt un familier des lieux. Je ne sais rien du tout. J'ai trouvé que c'était très calme en arrivant chez moi. Un silence de mort. Quelle heure était-il quand vous êtes arrivé chez vous? Après 18 heures. Donc ce n'était pas avant 18 heures. Je ne comprends pas, c'était un homme qui était toujours agréable. Hmm.
Entre, c'est là. Bonjour. Ça ne doit pas faire très longtemps. Non, dans les 2 à 3 heures. Entre 17 et 18 heures environ. L'heure à laquelle j'ai cru que ma soirée allait commencer. On voit bien comment elle se termine. Pas de sang? L'arme est un objet contendant. Ce vase, peut-être. Un meurtre propre. Si tant est qu'un meurtre puisse être propre. Alors, plusieurs coups, au moins 3. Tous assénés. De derrière. À la nuque. L'assassin a manqué sa cible, là, on dirait. Et j'ai l'impression que Ralph Kopisch le connaissait. Il a laissé se balader dans l'appartement. Pas juste l'appartement. Dans la chambre. Vous voyez, Hyman? Oui, tout à fait. Je vous remercie. Bonsoir, monsieur. Je suis le commissaire Herzog. C'est moi qui mène l'enquête. Vous êtes madame Kopisch. Toutes mes condoléances. Puis-je vous demander qui vous êtes? Je m'appelle Otmar Lenz. Je dirige la société dans laquelle travaille madame Kopisch. Mais que faites-vous ici? Je l'ai raccompagnée chez elle. C'est dans vos habitudes? Non, pas du tout. Ce qui signifie qu'il s'est passé quelque chose de particulier aujourd'hui? Je crois qu'il serait préférable qu'elle vous raconte elle-même l'histoire. Il y avait une femme. Oui. Et? Je suis repassée à l'appartement un peu avant 17 heures pour récupérer des documents. Et il y avait une femme, une inconnue, dans ma chambre, assise sur le lit. Son prénom, c'est Marion. C'est tout ce que je sais. En d'autres termes, vous avez découvert que votre mari avait une liaison avec une autre femme. Je savais pas ce que j'étais censée faire, alors je suis repartie. Je l'ai trouvée prostrée à son bureau. Elle ne voulait pas rentrer chez elle, alors j'ai proposé de l'accompagner. Et nous avons trouvé le corps. Voilà, c'est tout. Je vous ai immédiatement contacté. Et cette autre femme, vous pourriez la décrire précisément? Elle était un peu plus âgée. Elle avait ma robe de chambre sur le dos. Elle avait ma plus belle robe de chambre sur elle. Madame Kopisch, vous feriez mieux de ne pas rester dans cet appartement. Avez-vous des proches chez qui vous pourriez vous installer quelque temps? Mes parents. Bien. Je vais l'accompagner. Et suivez-moi. Je pense que je n'ai aucune raison de rester. Monsieur Lenz, il nous faut encore votre déposition officielle, si vous voulez. Oui, bien sûr. Madame Kopisch, j'ai encore une dernière question. Cette marque ici, d'où provient-elle? Du vase. Ah, le vase qui est dans la chambre à coucher, c'est ça? C'est ça. Vous le laissez ici en temps normal? Je ne mets pas de fleurs dans la chambre à coucher. On dit que c'est mauvais pour la santé. Je vois. Merci. Il nous faut une empreinte de la porte du frigo. Qu'est-ce que tu cherches? La poubelle. Oh. Oui? Madame Angermayer, qu'y a-t-il? Je ne sais pas si je pourrai venir demain. Je suis bouleversée. Qu'est-ce qui vous arrive? Il s'est passé quelque chose chez nous, dans l'immeuble. Je veux dire... un meurtre. Mon voisin d'en face, si gentil. Vous voyez qui c'est? Il vous avait tapé dans l'œil. Je vois de qui vous parlez. Ça veut dire... qu'il est mort? On l'a tué. Qui l'a tué? On ne le sait pas encore. Mais je sais ce qu'il pense. Ce serait un proche. Madame Angermayer, ne venez pas travailler demain. J'arriverai à m'en sortir. Regarde. Le biscuit tout humide au labo. Pourquoi? Pourquoi tu veux l'analyser? Il est imbibé d'eau, voyons. Ça veut dire qu'il a servi à essuyer quelque chose. Ouais. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Je suis en ligne avec la police. Oui. C'est moi. Pardon.
Je suis coupable du meurtre de Ralph. Madame, qui êtes-vous? Je m'appelle Marion Lamson. Et j'habite au 10 Blutenweg. Et si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire que vous auriez tué Monsieur Kopisch? Oui. Dites à Hélène que je m'occupe de tout. Madame Lamson. Madame Lamson. Axel avec moi. Werner, tu boucles ici. À la maison, je l'ai trouvé là, sans connaissance. Et vous ne savez rien d'autre? Seulement que votre fille a besoin de repos maintenant. Oui, oui, bien sûr. Viens. Je vais nous faire un thé. Parlez-moi, je peux tout entendre. Vous ne savez vraiment rien? Rien de plus que ce qu'elle pourra vous dire. Elle nous a toujours causé du tracas. Mais là, c'est vraiment terrible. Elle vous a causé du tracas? C'est la petite dernière. Souvent dans la lune. Et elle faisait souvent fausse route avec les hommes. Vous voulez dire que M. Kopisch n'était pas le gendre que vous auriez choisi pour elle? C'est tout à fait ça. Mais elle était persuadée qu'elle l'aimait. Alphonse? Le Brahms était superbe. Mais le Schubert, les vents ont un peu cafouillé. Hélène? Papa! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Ralph? Quelqu'un l'a assassiné. C'est vrai? Comment ça? On n'en sait pas davantage. Ah, merci. Le coup de fil a bien été passé de cette adresse. Le numéro de fixe est enregistré au nom de Lamson, sauf que ce n'est pas Marion, mais Ferdinand. Il fait sombre là-dedans. Apparemment, il n'y a personne. Il va falloir fracturer la porte, je n'aime pas trop ça. C'est une propriété privée. Que cherchez-vous? Police criminelle de Munich. Vous êtes Monsieur Lamson? En personne. Je vous montre tout ce que vous voulez. Permis de chasse, permis de conduire, port d'armes. Qu'est-ce que ce sera? La clé de la porte d'entrée pour l'instant, mais plus tard un alcotest peut-être. La clé de la porte d'entrée? C'est le domicile de Marion Lamson? Mon épouse, oui. Il faut que nous lui parlions de toute urgence. Pourquoi? Ouvrez cette porte, s'il vous plaît. Marion? C'est nous, on est rentrés. Marion? On a de la visite. Elle n'était pas en forme, elle a dû se coucher. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Ça vient du premier. C'est une bougie parfumée. Elle aime bien ça. Un jour, elle va mettre le feu à toute la maison. Marion? Marion? S'est ouvert les veines. Elle est morte. C'est Richter. Envoyez tout de suite les secours chez les Lamson, au 10 Blutenweg. Vous
s'en est fallu de quelques minutes pour qu'on la découvre à temps. Ouais, ce sont les quelques minutes que nous avons perdues devant la maison. Lamson, ce nom me dit quelque chose. Comment ça se fait? Lis le journal. Il est dans le bâtiment. C'est un grand nom dans son domaine d'activité. Et un grand spécialiste de la grossièreté. J'imagine très bien la chronologie des événements. Sa femme passait ses journées seule à la maison, elle se sentait incomprise, elle est allée trouver le réconfort auprès d'un mec dont elle ignorait qu'il était déjà marié à Hélène. Quand elle l'a découvert, elle s'est sentie trahie, elle l'a tué, prise d'un accès de rage. On recommence doucement. Entre le meurtre et le suicide, il s'est tout de même écoulé 4 heures. Qu'a fait Marion Lamson dans ce laps de temps? Elle est restée seule chez elle. Oui, mais elle était désespérée. À votre avis, elle aurait pu passer un coup de fil à quelqu'un? Je vais essayer de le savoir. Quoi de neuf du côté d'Hélène Kopisch? Elle est en état de choc. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé, ses parents? Ils n'étaient pas très étonnés. Ils n'avaient pas une haute opinion de leur gendre, apparemment. On n'avait pas élucidé d'enquête aussi vite depuis longtemps. Tu crois qu'on l'a élucidé? Vraiment? Vous vous en tirez bien tous les deux. Des barges, on n'a rien fait. C'est de votre faute si elle est morte. Elle s'est donnée elle-même la mort, Tina. On a une preuve écrite. Par votre faute. Parce que vous êtes comme vous êtes. C'était une erreur de la laisser avec vous. Aucun d'entre nous ne peut y changer quoi que ce soit. Aucun d'entre nous. Tu sais très bien comment elle était. À fleur de peau en permanence. Elle prenait tout tellement à cœur. Les gens qui sont comme ça pètent souvent une durite à un moment ou à un autre. Elle est morte. Et t'en parles comme si c'était une défaillance technique. Elle n'était pas assez forte, c'est tout. Aucun d'entre nous ne pouvait y faire quoi que ce soit. Et toi, tu dis rien, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Y a rien à ajouter. Il faut avoir le courage de ses opinions. Elle est où, Madame Angermeyer? Madame Angermeyer ne viendra plus. Les journaux ont bien expliqué les circonstances dans lesquelles ta mère a connu ce type. Sans cette chère Madame Angermeyer, rien de tout ceci ne se serait jamais produit. Oui, j'ai lu les journaux. Elle aurait d'abord tué son amant avant de se donner elle-même la mort. Et sans foi ni loi. Ce ne sont que des mots. Elle s'est dénoncée elle-même. J'y crois pas un instant. Ça change pas grand-chose. C'est ce qui s'est passé. On va lui faire une jolie tombe. On avait de l'estime pour elle. Ton frère et moi, on n'y est pour rien si la vie continue. Ce qui est dans le journal, on n'y croirait pas, à moins d'avoir été soi-même acteur de l'histoire. Elle était riche. Oui, et maintenant elle est morte. Je me demandais parfois d'où il sortait tout cet argent pour s'offrir une montre chic, des vêtements de marque. On va organiser une collecte pour les pauvres. Et résilier le bail de l'appartement sans attendre. C'est important que tu oublies rapidement tout ça. C'est le plus important. Tu es jeune. Tu peux refaire ta vie. Et tu nous as, nous. Absolument. Et on est bien content de t'avoir. À toute chose, malheur est bon. La vie est belle, hein? Enfin, je dis ça, mais si j'étais tombée sur eux à ta place, je crois que j'aurais... Quoi? Qu'est-ce que t'aurais fait? C'est pas grave. De toute façon, tu n'es pas moi. Tu ne l'es pas. Merci. Mademoiselle Lamson. Monsieur Herzog. Vous vouliez me voir? Vous venez seulement d'arriver? J'ai pris le premier avion. Je suis étudiante à Paris. Et vous avez quelque chose d'important à me dire, c'est ça? Je vous en prie, asseyez-vous. De quoi s'agit-il? De votre hypothèse. De quelle hypothèse parlez-vous? Celle qui fait passer ma mère pour un assassin. Mademoiselle Lamson, toutes mes condoléances pour votre mère. Cependant, c'est de son propre aveu que je le sais. Quel mot a-t-elle utilisé? Un instant. C'est moi. Je suis coupable du meurtre de Ralph. Qui d'autre l'a entendu dire ça? Elle me l'a dit au téléphone. Il n'y a donc personne en dehors de vous?
C'est exact. Je peux vous assurer qu'elle a été très claire. C'est vous qui le dites. Je comprends bien que vous soyez bouleversé. Je vous en prie, arrêtez votre numéro. Vous êtes le seul à avoir entendu cet aveu, alors évidemment, c'est beaucoup plus simple pour vous si vous bouclez l'enquête rapidement. Vous ne connaissiez pas ma mère, contrairement à moi. C'était le genre à donner sa vie pour d'autres. Elle n'aurait jamais tué personne. Mademoiselle Lamson, je n'ai aucune intention de classer cette affaire. Nous avons encore quelques petites choses à régler. Quel genre de choses ? Je ne peux rien vous dire. Vous pouvez me croire, je n'ai pas l'habitude de prendre mon travail à la légère. Vous a-t-elle dit autre chose que ce prétendu aveu ? Oui. Elle a donné son nom et son adresse. Et c'est tout ? J'ai la nette impression que vous avez une idée de ce qu'elle aurait pu dire d'autre. Est-ce qu'elle a protégé quelqu'un ? Mon père, par exemple. Pourquoi demandez-vous ça ? Parce que ça lui ressemblerait, de couvrir celui ou celle qui avait réellement commis le meurtre. Non. Elle n'a pas mentionné votre père. Mais alors qui ? Qui a-t-elle mentionné ? Hélène. S'il vous plaît, dites à Hélène que je m'occupe de tout. Le prénom de Madame Kopisch, c'est Hélène. Ouais. Va la chercher et amène-la à l'appartement. Je veux qu'elle nous décrive avec précision le déroulement des événements. On se retrouve chez elle. Laisse-moi une demi-heure. Werner, où en est le rapport ? J'ai pratiquement fini de le rédiger. On n'a rien trouvé de plus dans l'appartement. Il n'y a que ceci qui nous semble sortir de l'ordinaire. Ces coupures de journaux. Des articles qui décrivent la mort d'une prostituée, étranglée sur le trottoir. Les faits remontent à 20 ans. Où les as-tu trouvés ? Tout au fond d'un tiroir. Il faudra essayer de comprendre pourquoi elles ont été conservées. Il me semble qu'il doit y avoir une raison. Que voulez-vous savoir d'autre ? Je croyais que l'affaire avait été élucidée. Les enquêtes ne s'arrêtent malheureusement pas là. Il nous faut encore une déposition sur place. Pardon ? Quoi ? Dans l'appartement ? C'est ça. Ce ne sera pas très long. Suivez-moi. Je peux l'accompagner ? C'est tout à votre honneur de vous inquiéter pour elle. Mais elle est en de bonnes mains. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, il est l'heure. Il faut que j'y aille maintenant. Toi et ta musique. Le monde pourrait s'écrouler, il y a qu'elle qui t'intéresse. T'en fais pas, c'est qu'une pure formalité. Eh oui, bien sûr. Savez-vous si le vase était encore à sa place habituelle ? Ben, je dirais que oui, c'était sa place attitrée. J'aurais remarqué s'il n'avait pas été là. Alors voyons, je me tenais ici et je cherchais les documents. D'un coup, Ralph est arrivé. D'où est-il arrivé ? De la chambre. Il a dit qu'il était couché. C'est là que je me suis souvenue que j'avais lu le dossier au lit. Alors, je me suis dirigée vers la chambre à coucher. Et je l'ai vu là, assise sur le lit. Comment Madame Lamson a-t-elle réagi ? Elle a pris le dossier sur la table et elle me l'a remis. Mais votre mari, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé chercher un mouchoir. Et vous, Madame Kopisch ? Je crois que c'est moi qui suis responsable de ça. Vous croyez ? Pourtant, défoncer une porte, ce n'est pas un geste anodin. Oui, c'est moi qui l'ai fait, avec le poing. Ça a été comme un réflexe. Toute ma vie venait de s'effondrer. Où se trouvait votre mari ? Là. Avez-vous échangé quelques mots avec lui ? Non, j'ai pris le mouchoir et je suis partie. Je crois qu'après mon départ, il a dû retourner dans la chambre. Ce sera encore long, c'est très pénible. On a presque fini. Un peu de patience. J'aimerais juste qu'on discute d'un détail que je n'arrive pas à comprendre. Reconnaissez-vous ceci ? Non, j'ai jamais vu ces coupures de journaux. Elles étaient dans le buffet du salon. Alors, c'est que ça devait appartenir au père de Ralph. Il est décédé l'an dernier et Ralph a rangé dans le tiroir du bas toutes les affaires qu'il a récupérées. Ça n'a rien à voir avec nous.
Vous voulez bien qu'on sorte? J'ai parlé à Marion Lamson. Je l'ai eue au téléphone le jour du meurtre, juste avant son suicide. Et? Avant de raccrocher, elle m'a prié de vous transmettre un message. À moi? Oui. Elle a dit... Dites à Hélène que je m'occupe de tout. Elle vous a dit ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez, vous? Non, pas du tout, je sais pas. Je la connaissais pas. Comment je suis censée savoir ce qui se passe dans la tête d'une personne que j'ai vue qu'une fois dans ma vie? Ça, voyez-vous, c'est notre lot quotidien. Tu crois ce qu'elle raconte? Jusqu'à présent, oui. La scène n'a pas duré plus de 3 minutes. Elle a dû se retrouver ici autour de 16h48, et puis elle est retournée à son travail. Elle est revenue avec son chef vers 19h40. Naturellement, il n'est pas impossible qu'elle ait refait un passage éclair entre-temps. Je vais me renseigner. Où allons-nous? On va rendre visite à son employeur. Tu mesures le temps de trajet, hein? T'as quelque chose pour moi? Les Lamson ont reçu un coup de fil quelques minutes avant que tu lui parles. L'appel venait d'ici. Laisse-moi deviner. De son employé de maison? Exact, je vais aller lui parler. Vas-y, démarre le chrono. C'est parti. Vous avez appelé Madame Lamson pour lui raconter le meurtre, c'est bien ça? Ouais. Parce que je ne savais pas si j'allais pouvoir travailler le lendemain matin. Voyez-vous, il faut que je ménage mes nerfs, j'ai des problèmes cardiaques. Je vous en prie. Et puis je ne savais pas qu'elle le connaissait aussi bien que ça. Vous ne saviez pas qu'elle était sa maîtresse? Vous passiez pourtant toutes vos journées chez elle? Ça me semble évident. Elle venait ici quand moi j'étais chez elle. Et puis d'abord, Madame Lamson, c'était une vraie dame. Elle cachait bien son jeu. Si je n'avais pas lu les journaux, mon avis sur l'affaire aurait été différent. Sur l'identité du meurtrier, je veux dire. Quel aurait été votre avis? J'ai entendu une dispute chez eux. Il y a quelque temps déjà. Entre eux? Non. Madame Kopisch n'était pas là. C'était lui. Et son invité. Il a tellement crié que j'ai cru qu'il allait se passer quelque chose de grave ce jour-là. Vous pourriez me décrire l'homme qui était avec lui? Je crois savoir de qui il s'agit. Avec son beau-père? Oui, il y a 2 mois. Il a eu l'altercation particulièrement animée avec Kopisch. On ne sait pas pourquoi. Ah ouais. On sait pourquoi l'employé de maison a passé ce coup de fil? Elle voulait dire à Lamson qu'il y avait eu un meurtre dans l'immeuble. Et c'est tout. Rien de plus. Merci, Axel. Gert? Oui, je t'écoute. Kopisch s'est disputé avec son beau-père. Apparemment, le ton est monté très haut. C'était il y a environ 2 mois. Renseigne-toi, tu veux? Bien sûr. Merci. Vous avez encore une question? Oui. Comment votre père s'entendait-il avec votre mari? Comment ça? Ils ne se voyaient jamais, ils n'avaient pas de relation. C'est exact, ils ne se croisaient jamais. On nous a parlé d'une dispute qui aurait éclaté entre eux. Entre mon mari et Ralph? C'est exclu. Il vous rendait visite de temps à autre? Non. Nous y sommes allés une fois, quand ils ont aménagé, et depuis plus du tout. Et pourquoi ça? À cause de moi. Il ne m'aimait pas et je ne l'aimais pas. S'il y avait eu une altercation, elle aurait été entre lui et moi. Mon mari est du genre non conflictuel qui garde son calme. On vous a raconté des bêtises. Au revoir. Au revoir. Refaites-moi un récit chronologique des événements. Madame Kopisch a reçu des clients ici. À 17h, c'est bien ça? Oui, c'est exact. Monsieur Lenz, pouvez-vous nous dire combien de temps a duré ce rendez-vous? Oui, elle l'avait noté. Ça s'est fini à 17h45. 17h45. À quelle heure lui avez-vous proposé de la ramener chez elle? Eh bien, il était 19h30. Donc, tout ce temps, elle serait restée seule dans la salle de réunion, c'est bien ça? Oui, j'en ai bien l'impression. Quelqu'un peut le confirmer? Où voulez-vous en venir? Quelqu'un peut le confirmer. Ah, vous enquêtez encore?
Vous voulez savoir si elle a eu le temps de faire l'aller-retour chez elle avant notre départ? Je vous demande seulement si quelqu'un peut confirmer qu'elle a passé tout ce temps ici. Non, personne ne pourra vous confirmer ça. Il n'y avait plus personne à l'accueil de la société. Deux de mes employés étaient partis faire une visite. Je sais seulement que je l'ai trouvée à 19h30 précise dans la salle de réunion, seule. Bien. Vous avez alors proposé à Madame Kopisch de la raccompagner chez elle. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Attendre qu'elle prenne racine? Comment s'est-elle comportée dans la voiture? Elle était agitée. Elle ne tenait pas en place, enfin, ce n'était pas choquant, vu les circonstances. Que s'est-il passé quand vous êtes entré dans l'appartement? Elle a d'abord ouvert la porte, puis c'est moi qui suis entré en éclaireur. Je vois où vous voulez en venir. Ah bon? Vous essayez de savoir si elle était vraiment étonnée de le trouver mort ou si sa surprise était feinte. Continuons. Vous êtes passé devant. Et après? Vous savez ce que vous me demandez, là? C'est le genre de témoignage qui peut briser une vie. Monsieur Lenz, tenez-vous-en au fait. La porte de la chambre à coucher, elle était ouverte ou fermée à votre arrivée? Fermée. Lequel de vous l'a ouverte? Moi. Le cadavre. Lequel de vous deux l'a remarqué en premier? Madame Kopisch. M'a-t-elle dit quelque chose? Ralph. C'est tout, Ralph. Vous voulez que je vous donne mon avis, maintenant? Si, j'ai trouvé sa réaction sincère. Je ne vous demande rien de tel. Mais si vous avez une impression à me donner, peu importe comment, je serais ravi de l'entendre. Oui. Non, je ne saurais vous dire si elle était feinte ou non. J'étais moi-même pris de court. Toutes les photos? D'accord. Oui, bien sûr. Il faut les faire disparaître rapidement. Ok. Il ne faudrait plus que quelqu'un tombe dessus. Les gens se font très vite des idées ridicules. Ouais, j'ai compris. Ah. Alors, tu es allé parler aux enquêteurs? Oui. Ils t'ont confirmé ce qu'on t'avait dit? Ils te l'ont confirmé, oui ou non? Oui. Alors, tu vois, c'est vraiment malheureux avec toi. Crois jamais ce qu'on te dit. Faut que j'aille au chantier, ça n'avance pas tout seul. Quant à toi, tu dois avoir des devoirs à faire, je pense, non? Oui, je monte tout de suite. Au fait, il nous faudrait quelqu'un pour s'occuper de l'enterrement. Tu veux bien le faire? Pour elle. Super. Alors, je compte sur toi. Compte tenu des circonstances, on va faire ça en petit comité. Une cérémonie tranquille et digne. Digne? Mais classe, on veut pas d'un enterrement au rabais. C'est pas ce que j'ai en tête, compte sur moi. Un café. T'en veux un? Non, merci. Qu'est-ce que tu fais? Rien, ton cul. C'est rien, alors pourquoi tu me montres pas? Non, ça te regarde pas. Bernard, je veux voir ce que tu brûles. Non. Rends-moi ça. C'est maman, l'homme qui a été assassiné. Où t'as trouvé ses photos? T'es tout seul, il va pas pouvoir t'aider maintenant.
Je vais les montrer à la police. Non, non, s'il te plaît, fais pas ça. Ce serait pas bon pour nous. Il faut qu'on reste soudés à tout prix. C'est ce que tu crois. Ils t'interrogeront. Toi et toi seul. J'ai pas le droit d'en parler à qui que ce soit. Toujours à faire tout ce qu'il te dit, hein. Je te jure, si t'as joué le moindre rôle dans la mort de notre mère, je ferai en sorte que ta vie ne soit plus jamais comme avant. Vous doutez de cette version des faits? Ouais. Et pourtant, elle a avoué. Je me demande si ses aveux étaient sincères. Si ça se trouve, c'est par le coup de fil de son employé que Marion Lamson a su que son amant avait été assassiné. Elle nous a appelés avant de s'ouvrir les veines. À quoi ça rime, à ton avis? À ce qu'on nous a dit d'elle, elle avait des pulsions suicidaires. Elle a cru qu'Hélène Kopisch avait commis le meurtre. Et pour quitter cette vie en faisant une bonne action, elle a prétendu être coupable. D'accord, mais pourquoi faire ça? Elle la connaissait à peine. Le coup contre la penderie. Elle a vu Hélène Kopisch totalement hors d'elle. Ouais. Ouais, je crois que c'est possible qu'elle ait avoué alors qu'elle était innocente parce qu'elle croyait Kopisch coupable du meurtre. Ce qui m'ennuie, c'est que ça ne correspond pas tout à fait à certaines choses qui m'ont sauté aux yeux. Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux? Eh bien, pas... Herzog, j'écoute. Ouais. Oui, oui, bien sûr, si vous pensez que c'est important. Bien, on se met en chemin. On va chez les Lamson. Je fais quoi de ces trucs-là? On laisse tomber? Non, qu'est-ce que tu crois? Retrouve les dossiers de l'affaire. Cherche à comprendre ce qui a pu pousser quelqu'un à conserver ses coupures de journaux pendant une vingtaine d'années. Et si ça n'apporte absolument rien à notre enquête? Tu comprendras mieux la nature humaine, c'est déjà ça. Bon, reprenons du début. Si je comprends bien, c'est vous qui avez pris ces photos à la demande expresse de votre père. Il la soupçonnait d'avoir un autre homme dans sa vie. Elle avait changé d'un coup, du tout au tout. Alors il m'a dit de la surveiller, de lui dire où elle allait. Vous avez suivi votre propre mère? J'ai vu qu'elle rendait visite à cet homme. Et je les ai pris en photo pour les montrer à mon père. Il voulait savoir à quoi ressemblait son rival. Et tu as eu la bassesse de faire ça? Il fait vraiment de toi ce qu'il veut. Elle n'aurait pas dû avoir une liaison. Comment tu as pu lui faire ça? En tout cas, maintenant nous savons comment il a eu les photos. Pourquoi votre père voulait-il que vous détruisiez ces photos? Il a dit que ce serait mieux que personne ne les trouve chez nous. Pour éviter qu'on puisse se faire de fausses idées sur notre famille. Oui, il avait raison. Je suis en train de m'en faire. Où est votre père? Je sais où le trouver. Je vous emmène. Ça fait 2 semaines que votre bordel traîne ici. Tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est pour une réunion de famille? Ah, c'est pas vrai. Les photos en disent plus que 1000 mots, n'est-ce pas? Alors, t'as réussi à te faire piquer? Vous saviez tout. Vous saviez qui était l'homme et où ils se rencontraient. Ouais. Et ça m'a suffi de le savoir. J'en demandais pas plus. Ça s'est arrêté là. Arrête de jouer à ça! Je parie que tu t'en es servi pour la torturer, jusqu'à ce qu'elle ait plus envie de vivre. Elle n'était pas encore au courant que je savais. Je voulais d'abord attendre un peu pour la prendre sur le fait à un moment bien choisi. Ces derniers temps, elle dépensait des sommes de plus en plus élevées. Elle voulait sans doute assurer un certain confort à son jeune amant. C'est quand même difficile d'accepter ça sans broncher. Ah bon, tu trouves? Ça t'arrangeait bien, toi, qu'elle accepte sans broncher des années durant que tu te tapes sans arrêt des putes? Fais attention à ce que tu dis. Je sais très bien ce que je dis. Les couples se défont avec le temps. Ce sont des choses qui arrivent. Tu as tout fait pour que ça vous arrive. Et toi, tu l'as aidé. Toujours à faire le toutou. Monsieur Lamson, nous allons déjà écarter l'essentiel. Où étiez-vous avant-hier aux alentours de 17h? Dis-lui. Dans la forêt. Dans un mirador. J'ai un terrain de chasse. Il est loin d'ici? À une petite demi-heure. Vous voulez bien nous y emmener? Maintenant, vous voulez dire? Comme ça, ce sera fait. Je crois que rien ne m'obligeait à vous montrer mon terrain. Je me soumets par courtoisie. Oui, nous en avons conscience. Temps de trajet, Axel? 24 minutes. Bien, donc vous avez garé votre voiture là-bas à la lisière du bois. Et vers 17h, vous étiez ici. Oui. Je viens ici dès que je peux. Vous êtes amateur de chasse? Ah ça oui. Je trouve ça excitant. Qu'est-ce qui est excitant? Tu veux dire la mise à mort? Et vous, commissaire? Vous aimez chasser?
C'est mon gagne-pain. Vous êtes resté longtemps? Je dirais dans les 2 heures. C'est la vérité ou non, Bernard? C'est vrai. Et vous êtes resté assis sans bouger pendant tout ce temps? Ben oui, vous avez tout compris. Qu'est-ce qu'on aurait fait d'autre? Vous pensez qu'on vient ici pour mettre le bazar? Oui, bref, c'est là que Bernard a abattu son premier chevreuil. Ensuite, on a rangé notre barda et on était à la maison vers 20h. Alors, ça vous va? Ouais, je comprends, vous vouliez faire une petite promenade de santé. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Je ne suis pas certain d'avoir terminé notre entretien, monsieur Lamson. L'avons-nous terminé? Bernard? Moi, j'étais là, de ce côté. Vous n'étiez pas ensemble? Non, écoutez-moi, je ne cherchais pas à vous le cacher, j'ai oublié de le mentionner, c'est tout. Mais pourquoi? Parce que ça mène à des questions débiles. C'est un détail sans conséquence et sans importance. Même si certains sont trop crétins pour le comprendre. J'étais ici. Et lui, il était là. La vérité, c'est ça. Mais ça veut rien dire, bon sang. Je suis pas entré dans le détail pour nous épargner d'interminables tralala. C'est la seule raison. Quel que soit l'endroit où on était installé, on a passé tout ce temps ici. Où qu'ils aient été installés, on a bien fait d'aller voir sur place. Je crois maintenant que je sais ce qui s'est passé. Comment ça? Lamson a voulu cacher le fait qu'ils n'étaient pas assis ensemble parce qu'il craignait que son fils n'ait été mêlé au meurtre de l'amant de sa mère. Mais son silence a donné des raisons au fils de penser que c'était son père qui était coupable. En regardant de près le comportement du père et celui du fils, il me vient une seule hypothèse cohérente. À savoir qu'aucun des deux hommes n'a commis le meurtre. Voilà, c'est ça. Je suis sûr qu'ils n'ont pas quitté la forêt, ni l'un ni l'autre, chacun de son côté. Ce qui veut dire que notre petite virée au grand air nous a ramenés directement à la case départ. Tu es encore persuadé que les aveux de Marion Lamson étaient faux? Ouais, j'en suis sûr. Ok, super, mais quelqu'un l'a bien tué, ce Ralph. Oui. La personne qui a utilisé l'essuie-tout dans la poubelle. J'ai trouvé. Quoi donc? La raison pour laquelle ces articles ont été conservés. Dietrich Kopisch, le père de Ralph Kopisch, notre victime. Il avait été accusé du meurtre de cette prostituée parce qu'il était le dernier homme avec lequel elle avait été vue. Mmh. Mais il a demandé à faire un test ADN. Qu'il a immédiatement innocenté. Et alors? Il a été relâché. Je crois que ces articles étaient juste un souvenir et rien d'autre. Pour lui rappeler ses moments difficiles. Mmh. Ce n'est sans doute pas faux. Non, 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 non. Tu ne te débarrasseras pas de moi comme ça. Cette personne qui a utilisé l'essuie-tout trouvée dans la poubelle. Au moment du meurtre, l'eau qui était dans le vase a été renversée. Le meurtrier l'a essuyée après son forfait. Oui, mais pourquoi aurait-il fait ça? Sans doute pour faire croire que le meurtre avait été commis dans la chambre au lieu du salon. Il aurait mis le corps dans la chambre après coup? Et le vase aussi, et les fleurs. C'est vraiment bizarre. Pourquoi? Aucune idée. Cette affaire a-t-elle été élucidée? Non, je ne crois pas. Je peux voir le dossier, s'il te plaît. Merci. Vous êtes resté longtemps? Je ne voulais pas déranger. Et je ne vais que rarement au concert. Je vois. Vous n'êtes venu que pour la musique. Entre autres. J'aimerais aussi que vous m'en disiez davantage sur la dispute que vous avez eue avec votre gendre. La quoi? Le ton est monté, apparemment. Alors que je vous croyais plutôt du genre à garder votre calme. Mon cher gendre avait un caractère quelque peu tordu. Alors j'ai pris des renseignements sur lui. Il en est ressorti que par le passé, il avait plumé quelques dames d'âge mûr. Des dames en quête d'amour. Qu'avez-vous fait de l'information? Rien. Je l'ai gardé pour moi. Hélène était heureuse avec lui, pourquoi lui faire du mal? Et puis un jour, une de mes amies,
une bonne amie, qui n'est plus très jeune. Elle est veuve et fortunée. Elle était au mariage, d'ailleurs. Donc, quelques semaines plus tard, elle m'a téléphoné. Elle était très perturbée. Ralph l'avait retrouvée et... Il lui avait proposé ses services, d'où la grosse altercation avec lui. C'était un type lamentable, impossible de garder son calme face à lui. Que lui avez-vous dit exactement ce jour-là? Que j'aurais sa peau si jamais il recommençait son petit manège. Oui. C'est en substance que je lui ai dit, je vais pas vous mentir. Et ça ne me pose aucun problème que quelqu'un s'en soit chargé à ma place. À votre place? C'est ce qui s'est passé? Bah, avec la meilleure volonté du monde, j'aurais pas pu le faire. Gert? Ah, tu as vu le beau-père, l'altercation. Donc lui aussi, il a un mobile. Il a un alibi? Et comment? Au moment des faits, il était à sa répétition avec tous les autres musiciens. Il n'a pas pu s'éclipser un seul instant. Sans premier violon, ils ne peuvent rien faire. Laisse tomber pour aujourd'hui. J'aimerais rentrer chez moi. Je peux rendre ce dossier? Ouais. C'est dommage que Kopisch père ne soit plus en vie. Pourquoi? Pour moi, il y a des questions ouvertes dans cette affaire. Tiens, cette déposition, par exemple. Il s'agit d'une femme qui a remarqué que Kopisch ne s'était approché de la victime que pour lui indiquer que son client était en fait une tierce personne. Or, cette piste n'a jamais été suivie à l'époque. Peut-être que cette femme s'était trompée. Ou alors, Kopisch a gardé le secret. Toute sa vie. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait un coupable qui n'a toujours pas été arrêté? Ce n'est qu'une vague supposition. Je peux le rendre? Tu m'accompagnes? Tu veux aller où? Je voudrais poser une question sans conséquence à quelqu'un. On verra bien ce qu'il répondra. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Lenz. Encore? Vous avez d'autres questions? Je n'en ai qu'une, la dernière. Allons-y. Merci. Alors, monsieur Lenz, auriez-vous l'amabilité de vous soumettre à un test ADN? Pourquoi faire? Ça nous aiderait beaucoup. Vous n'allez quand même pas me faire croire que mon ADN vous aiderait à résoudre l'enquête? Non. Il ne s'agit pas de celle-ci. Mais d'une autre affaire. Un meurtre commis il y a très longtemps. Soit. Je ne sais pas trop à quoi ça pourrait vous servir, mais... Si ça peut vous aider... Monsieur Lenz, ça n'a aucun sens. Il est trop tard pour ça. Nous savons ce qui s'est passé. Vous croyez? Qu'est-ce que vous savez? Nous savons que vous étiez ami avec le père de Monsieur Kopisch. Nous savons aussi que ce soir-là, il avait abordé cette prostituée et retenu ses services pour vous. Et nous savons qu'il s'est passé quelque chose de dramatique. Oui. Lui et moi, on s'était connus par le travail et on se côtoyait parfois en dehors. Un jour, il a voulu m'offrir un cadeau original. Je n'avais aucune expérience. Il a dit que je pouvais lui faire tout ce que je voulais. Tant et si bien que... elle a fini morte, étranglée. Je me suis pas rendu compte. Je la tenais par la gorge et j'ai serré. Ça avait l'air de lui plaire. Sauf qu'à un moment, elle a arrêté de respirer. Monsieur Kopisch vous a couvert. Toutes ces années. Avant de mourir, il a tout expliqué à son fils. Il voulait soulager sa conscience. Et c'est pour ça que Ralph Kopisch est venu il y a quelques semaines à votre bureau et vous a forcé à donner un travail à sa femme. Pourquoi je l'aurais engagé, sinon? Elle est incompétente. Il vous tenait. Il lui suffisait de donner votre nom et votre ADN. Vous aurez incriminé. Oui. On passe sa vie à se construire et à moins que rien arrive et vous dit qu'il est prêt à tout bousiller. Du coup, quand Madame Kopisch est venue vous voir en pleurant, vous avez saisi l'occasion unique qui se présentait à vous.
Pendant qu'elle était en rendez-vous avec ses clients, vous vous êtes rendu à son appartement. Vous avez tué Ralph Kopisch et vous l'avez traîné du salon jusqu'à la chambre à coucher de façon à démontrer que c'était un crime passionnel. Ouais, ça aurait pu marcher. Tous les prétextes étaient bons pour accompagner Madame Kopisch chez elle après le travail, de façon à ne pas éveiller nos soupçons lorsqu'on relèverait vos empreintes dans leur appartement. Oui, c'était ça le plan. Monsieur Lenz, ce que vous avez de plus raisonnable à faire, c'est de vous rendre. Oui, je sais. Monsieur Lenz ! Appelle les renforts !